Salut les amis, c'est Mode Auteur saison 2 et aujourd'hui on va passer un petit moment avec Fawzi, auteur de BD et illustrateur. C'est parti et c'est par là. Alors, il y a le personnage. Le personnage est en même temps le lecteur qui va lire, le personnage qui va s'animer dans la BD et celui qui écrit ou qui dessine. Donc on est tous plus ou moins osmoser dans un seul personnage, qu'il faut qu'il y ait une espèce de passerelle entre les cinq ou les quatre pour que l'histoire soit cohérente. Alors ce personnage, on va le mettre dans un espace. C'est un espace géopolitique. Il faut toujours qu'il y ait plus ou moins une ville, un lieu, soit quelque chose de fictif, soit quelque chose de connu. Les gens tout de suite rentrent. Quand on montre quelque chose de familier, on s'installe. Donc il y a une espèce de séduction qui s'installe et la lecture est plus facile. Ensuite, il y a le dialogue, bien sûr. Ces personnages vont parler entre eux. Et donc, à chaque personnage correspond à une façon de parler, un phrasé, une longueur, une respiration, parce que chacun parle différemment avec son niveau culturel ou ses origines. Donc, le dialogue est important de soigner, de manière qu'on sente tout de suite quelque chose d'assez précis et assez réel, quoi. Et ensuite, bien sûr, il y a l'intrigue. Qu'on remplisse des pages et des pages de dessins, de beaux dessins. Il faut qu'il y ait une vraie histoire, avec des rebondissements bien sûr, mais surtout cette intrigue qu'on va ressentir dès le début de l'histoire et qui va nous piéger comme un appât. Et on va essayer de. C'est un peu le page turner, comme on dit. On va essayer vraiment de la rechercher, de la traquer, de sentir entre les mots des dialogues si l'auteur nous donne quelques indices pour un peu soit nous tromper, soit au contraire nous faire avancer. Voilà à peu près comment je définirais mon travail d'auteur de BD. Riche en émotions, riche de ma vie, oui, je suis riche, mais pas riche en dollars, non. Très très peu sont riches de dollars. C'est pas trop le but, parce que si je voulais être riche, je serais banquier, comme m'avait proposé mon oncle, qui était directeur de banque. Donc je préférais la poésie, l'art, la fiction, un peu l'aventure. La BD est une aventure. Mais on est riche de rencontres, on est riche de cet art qui est dans nos doigts. Et devant lequel certains s'extasient, hein, moi je n'arrive pas à comprendre, mais quelque part je comprends. Parce que moi-même je suis extasié devant des gens qui savent jouer du violon, ou faire des sauts périlleux, ou conduire un avion. Voilà, donc c'est vrai, on est toujours riche de quelque chose.